Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de découvrir une tresse plate à 4 brins. Je l'ai essayé sur quelques cordes de cloche et je trouve ça plutôt esthétique et ça change un petit peu de la tresse carrée à 4 brins. Après avoir réalisé un amarrage plat pour tenir mes 4 brins, je les sépare 3 d'un côté et 1 de l'autre, comme cela. Je passe ensuite 2 fois dessus en me plaçant au milieu. Et avec le brin de droite, une fois dessus. Donc on retrouve la position de départ et on continue avec le deuxième brin. Donc deux fois dessus et une fois dessus avec le brin suivant. Voilà, là il n'y a rien de compliqué, vous voyez. Donc on part de la gauche deux fois dessus et on s'arrête devant le brin de droite et le brin de droite passe par-dessus le brin qui vient de travailler. Voilà, ça va relativement vite. Là, ça demandera un petit peu plus de tension sur votre tresse. Là, je vais un peu vite pour la vidéo, mais vous avez compris le principe. Une fois qu'on a le coup de main, ça va très vite. Et voilà, votre tresse est terminée déjà, c'est allé relativement vite. Et pour après continuer sur une corde de cloche, je n'aurai plus qu'à la regrouper comme ça et faire mon tressage avec 8 brins.